Die drei Gammas sind dabei, für ihr verlorenes Raumschiff Ersatz zu schaffen. Nach einer alten Handschrift, die von einer Landung früherer Gammas in Frankreich im Jahre 1538 berichtet, haben sie eine Holzsphäre gezimmert. Für die Energie sorgt Odile. Sie beraubt alles Böse seiner Gewalt und verwandelt Wut und Hass in Treibstoff. Das Holz hat Adrien zusammengetragen. Eine historische Eiche, eine Renaissance-Truhe und ein Ölbild auf Holz. Alles aus dem Jahr 1538. In der Werkstatt an der unteren Seine wartet Emile auf Adrien und Odile. Die beiden alten Handwerker, Monsieur Benoit und Monsieur Flandre, wissen immer noch nicht, dass ihre Kollegen Gammas sind. Sie ahnen es nicht einmal. Doch ein neues Raumschiff muss werden. Eine Pleite. C'est du métal. Adrien. Adrien devrait être là. Vous êtes adroits, tous les deux. Hein? Allez, au travail, là, on commence. Inutile. Il faut attendre Adrien et son bois. Mais ce bois suffit pour construire la sphère. Oui, mais est-ce qu'il est bon? Mais c'est un vieil arbre, mais ça se voit. Un très vieil arbre. Oui, d'accord. Mais il doit être de 1538. Ben, c'est écrit dans mon livre. Mais que fait Adrien? Que fait Adrien? Il ne veut pas retourner sur Gamma. Retourner sur Gamma? Qu'est-ce que vous dites, Émile? Oui, je veux dire aller sur Gamma. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les gendarmes. Vous serez les premiers Français à aller sur Gamma. Moi, je n'y viendrai pas. Je suis trop vieux. Mais vous, vous irez. Nous sommes trop vieux, mais nous aurons construit la première sphère Gamma entièrement française. Adrien devrait être là. Qui sont ces gens-là? Ce sont des gitans. Des gitans ici? Alors, Émile, tu viens m'aider? C'est toi, Adrien? C'est Blanchette. Tu peux parler, elle sait tout. Bonjour, mademoiselle. Pourquoi êtes-vous déguisée? À cause des gendarmes. À cause des gendarmes? Aide-nous à pousser cette voiture d'enfant. Bonjour, mademoiselle. C'est lourd. Vous avez trouvé le bois, Adrien? Elle sait tout. Elle m'a beaucoup aidé. C'est Blanchette, la fille du ministre. Ah, la fille du ministre. Bonjour, mademoiselle. Enchantée. 1538. Très bien, très bien. Et où avez-vous trouvé ce coffre? Je l'ai volé au ministère. Vous avez volé ce coffre au ministère? Vous avez volé ce coffre? Qui sont ces gens-là? Ces gens-là? Ce sont des gitans. Regardez.
en bois de 1538. Source de la Seine. L'eau de vie. Nous l'avons volée au musée. Vous, la fille du ministre, vous avez volé ce tableau? Il est de 1538. C'est la date indiquée dans mon livre. Vous vous êtes déguisé à cause de la police? Oui. Hein? Mon père a mobilisé toutes les polices de France. Oh, là, 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 quelle affaire! Ils ont volé pour le bien de la France. Si nous arrivons à construire la première sphère gamma, le ministre nous pardonnera. Et même, il nous félicitera. Et où avez-vous volé ce tronc, Adrien? C'est le tronc de l'arbre de François Ier. L'arbre de François Ier. Il a coupé l'arbre de François Ier. L'arbre de François Ier date de 1538. 1538. L'arbre de François Ier sur Gamma. C'est merveilleux. Mais c'est magnifique. Les gendarmes. Il faut mettre tout ça dans l'atelier. Qu'est-ce qu'il y a? Je sens des secousses. Des secousses électriques. Qu'est-ce que c'est? Des secousses électriques. Je suis fort. Beaucoup d'énergie. Je suis fort. Beaucoup, beaucoup d'énergie. De l'énergie? Vous dites de l'énergie? C'est Odile. C'est Odile qui revient. Dépêchez-vous de construire la sphère. J'ai beaucoup d'énergie en moi. Beaucoup, beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. L'énergie, das G vor dem I ist stimmhaft. L'énergie. Les gendarmes. Gendarmes, das G vor dem E ist auch stimmhaft. Gendarmes. Monsieur Benoît schützt Adrien und Blanchette vor den Gendarmen, indem er vorgibt, es seien Zigeuner. Die Zigeuner, les Gitans. Les Gitans. La gymnastique. La gymnastique. Das G vor einem E, I oder Y wird stimmhaft ausgesprochen. Énergie, gendarme, Gitans, gymnastique. Folgt aber auf das G irgendein anderer Buchstabe, so wird das G wie G ausgesprochen. Zum Beispiel vor A, O oder U. Gamma, Gobelin, Guillotine. Gamma, Gobelin, Guillotine. Adrien et Blanchette sont déguisés. Adrien und Blanchette sind verkleidet. Ils sont déguisés. Odile a capté beaucoup d'énergie. Il y a des secousses électriques. Des secousses électriques, électrische Stromschläge. Il y a des secousses électriques. Électrique, historique, magnifique.
Das Q-U-E wird que ausgesprochen. Die Endsilbe ich entspricht natürlich der deutschen Endsilbe ich. Elektrik, historique, magnifique. C'est compris? Magnifique. Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Ja, ja, ich beeile mich schon. Odile kann ihre Energie kaum noch halten. Je me dépêche, je me dépêche. Dépêchez-vous, je perds mon énergie. Dépêchez-vous. Oui, Odile, je me dépêche. Allons, dépêchez-vous. Clouez les planches. Vous avez des clous. Les clous, c'est du métal. Où faut-il clouer la planche? Passez-moi la planche. Là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Clouer les planches. Voici encore des clous. Et les clous, c'est du métal. Je sais que c'est du métal, monsieur Flandre. Mais il faut faire vite. Odile perd son énergie. Allez, clouer les planches. Ah. Voici un marteau. Ça va, Odile? Tu ne perds pas trop d'énergie? J'essaie de la retenir. Cette sphère-là ne ressemble pas beaucoup à la vraie sphère. Je trouve que cette sphère-là ne ressemble pas du tout à la vraie sphère. Oui. Notre sphère est un peu carrée. Elle est tout à fait carrée. Ce n'est pas une sphère, c'est une caisse. Oh, hé, Odile, retiens ton énergie. Retiens ton énergie. J'essaie de la retenir. Il faut faire vite. Nous n'avons pas le temps de construire une sphère parfaite. Les clous, c'est du métal. Vous croyez que cette caisse volera? Certainement, elle volera. Le bois est de 1538. Nous avons l'énergie. Monsieur Flandre. Ça, c'est l'eau. Ça, c'est le bas. Allez, ouvrez la porte, monsieur Flandre. On va faire un essai. Ah! Papa! Monsieur Émile! Les gendarmes arrivent. La machine! La machine! Ah, la sphère! Est-ce que vous avez vu les voleurs? Les voleurs? Oui. Où sont les voleurs? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? C'est une caisse. Ah. Une caisse. Nous devons arrêter les voleurs. Allez, dépêchez-vous.
On étouffe là-dedans. C'est vrai, on étouffe. Attention. Là. Maintenant, il faut sortir la sphère. On va faire un essai. Poussez! Poussez! Plus fort! Je voudrais faire un essai. Ich möchte einen Versuch machen. Je voudrais faire un essai. Voilà l'essai. Me voici. Le voilà. Est-ce que je lui ressemble? Est-ce que je suis un peu comme lui? Est-ce que je lui ressemble? Ah oui, je lui ressemble beaucoup, n'est-ce pas? Nun haben Sie verstanden, was es heißt, ressembler à. Es heißt ähnlich sein, ähneln, aussehen wie. Je lui ressemble. Il me ressemble. Cette sphère ne ressemble pas à la vraie sphère. Cette sphère ne ressemble pas à la vraie sphère. Elle ne ressemble pas du tout à la vraie sphère. Pas du tout. La vraie sphère est ronde. Cette caisse-là est carrée. Die echte Gammakugel ist rund. Dieser Kasten da ist viereckig. Cette caisse-là est carrée. La caisse, der Kasten. La caisse est tout à fait carrée. Der Kasten ist ganz viereckig. Elle n'est pas du tout ronde. Er ist gar nicht rund. Tout à fait ganz, pas du tout, gar nicht. C'est tout à fait facile. Ce n'est pas du tout difficile. On étouffe là-dedans. Man erstickt da drin. On étouffe là-dedans. J'étouffe. Je perds mon énergie. Ich verliere meine Energie. Je perds mon énergie. Au revoir, monsieur Émile. Au revoir. Au revoir, madame, et merci. Émile, entrez dans la sphère. Dans la sphère? Oui. C'est une caisse. Oh, c'est la sphère. Je dois rentrer là-dedans? Bien sûr. Vous avez peur, Émile? J'ai un peu peur. N'ayez pas peur, Émile. La caisse, la sphère est solide. Les clous, c'est du métal. Elle est vraiment solide? Très solide. Allez. Du courage. On étouffe là-dedans. C'est vrai, on étouffe. Vous n'avez pas l'habitude.
Odile. Entrez. Dépêchez-vous, je perds mon énergie. Là. Adrien. Blanchette, ma Blanchette, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas partir? Mais non. Ton ami ne va pas partir. Ils font simplement un essai. Oh, un essai? On fait simplement un essai? Bien sûr. Passez-moi le tableau. On étouffe! On étouffe! Il faut vous habituer. Odile, vous concentrez votre énergie sur le tableau. Et la sphère s'envole. J'ai compris. Je concentre mon énergie sur le tableau et la caisse s'envole. Oui. La sphère s'envole. Émile, vous faites un petit tour au-dessus de la Seine et vous revenez. Vous êtes prêt? Nous sommes prêts. Odile, vous êtes prête? Je suis prête. Lâchez votre énergie. Je lâche mon énergie. Ça marche. Je suis fier. C'est la première sphère française. Adrien. Ça marche. Elle vole. De la fumée. Oh. Elle vole. Elle vole. Ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. Je n'ai plus d'énergie. J'ai perdu toute mon énergie. Blanchette! Qu'est-ce qu'ils ont? Ils se sont évanouis. Les clous. Ils se sont évanouis à cause des clous. Les clous, c'est du métal. Et dans une sphère gamma, il n'y a pas de métal. Bonjour, Adrien. Ça n'a pas marché? Non, ça n'a pas marché. C'est à cause des clous. Odile a raison. Dans la sphère gamma, il n'y a pas de métal. Je l'avais dit, les clous, c'est mauvais. C'est du métal. Ça n'a pas marché. Il ne faut pas employer de clous. Le bois n'est pas parfait. Il a brûlé. Et je n'ai plus d'énergie. Il faut tout recommencer. Tout recommencer? Oui, tout. Il faut trouver du bois. De 1538. Mais plus près. Plus près de l'eau. Plus près de l'eau? Quel bois? Je ne sais pas, mais je sais qu'il existe. Il faut le trouver. L'énergie est près de l'eau. L'eau est près du bois. Peut-être du bois qui est dans l'eau. Promis. Nous allons chercher du bois de 1538 près de l'eau. Tout près. Du bois qui est dans l'eau.
Et moi, je vais chercher l'énergie près de l'eau. Beaucoup d'énergie. Oui, une énergie formidable. Et moi, je vais chercher l'eau. Tu vas chercher l'eau? L'énergie est près de l'eau, l'eau est près du bois, donc il faut chercher l'eau. Oh! Émile a peut-être raison. Il faut peut-être chercher l'eau. Si nous avons l'eau, le bois ne brûlera pas. Il faut trouver l'eau. Vous êtes prêts? Nous sommes prêts. Qu'est-ce qui vous arrive? Nous sommes déguisés en bavarois. C'est un secret. À cause des gendarmes. Compris? Compris. Ah. Vous partez par là. Toi, tu vas par là. Et toi? Et moi, je vais par là. Je vais vers le sud. Monsieur Flandre. Monsieur Benoît. Monsieur Flandre. La sphère. La sphère gamin doit être construite en bois. Oui, mais les clous.